De rechef, amis téléspectateurs, vous suivez la 11e édition de Soleil d'été, ce concours de chant organisé par Télésoleil pour les enfants de 9 à 12 ans. Cinquième sortie pour notre caravane. Aujourd'hui, nous continuons le premier tour. Et comme toujours, nous avons notre jury qu'on salue avant de débuter l'émission. Merci d'applaudir Ludnir Augustin, David et Eric Pierre-Étienne. Et aujourd'hui avec nous, Diana Mercier. Nous démarrons les prestations. La toute première voix à auditionner aujourd'hui, c'est bien la voix de Kilenchi Louis, qu'on accueille par nos applaudissements. Bonjour Samantha. Bonjour Kilenchi, comment vas-tu? Je vais très bien, grâce à Dieu. Et pour vous? Je vais très bien et je suis contente de voir Kilenchi. Première participation pour toi. Oui. Tu es prête? Oui, je crois. Tu crois? Tu n'as pas préparé ta prestation à la maison? Oui. Qu'est-ce que tu comptes chanter? Je vais parler à mon père de Céline Dion. Parler à mon père de Céline Dion, c'est ce que Kilenchi Louis, pour sa première prestation, va interpréter aujourd'hui. Merci de l'applaudir très fort. Je voudrais oublier le temps, pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garde l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol du courant, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire des voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver des couleurs, des tableaux que j'ai dans le cœur, dessus des collines des pures où je vous vois et me rassure. Je voudrais décocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps, pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garde l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Merci. Kilenchi Louis, qui pour sa première prestation a choisi de parler à son père sur les notes de Céline Dion. Vos commentaires, les juges, qu'en pensez-vous? Merci, Kilenchi. Je te félicite pour cette belle voix que tu as et pour cette prestation aussi que tu viens de nous donner. C'était vraiment bien. Sauf que j'ai trouvé que Kilenchi force un petit peu trop parce que tu as manqué résistance. Tu as manqué quelque résistance parce que
entre frères, surtout parti qui était comme tu as dit ça. Il était parti qui était presque pas gain position. Moi c'est que entre tu espace qui était gain, tu dois inspirer beaucoup plus pour gain plus souffle pour yo. Tu as remarqué aussi. Donc moi c'est qu'on travaille sur ça plus avec des exercices de respiration et ça va beaucoup t'aider. Je t'encourage avec un 8. Merci. Merci Kilenchi pour ta prestation. Merci. Vraiment, et déjà, on voit qui est assez. Tu as une voix grave et qui est très mûre. Il fait que vous paraît. Alors, voix pas paraît, voix Timoun. Et c'est un don. Pas inquiète, c'est un don. Et le seul bagage, il faut qu'on apprenne, travaille et choisir musique tout qui mette voix ça plus en valeur. Ok? Pour ta prestation d'aujourd'hui, moi-même, seul bagage, bon, moi pensais que tu as trop de précipitation, comme si tu as couru trop dans la musique là, ou pas de respirer, la musique là, on t'y pose pour respirer ou même, pour nous-mêmes tout, comme si, parce que pas oublier que son musique qui. Que vous chantez a cappella, mais pas oublier que l'instrument supposé continuer à jouer dans la tête. Donc, c'est comme si vous même chantez tellement vite que nous venons sentir que, ah, il n'y a pas de pause, pas de respiration dans la musique. Donc, fais attention à ça. Et puis, les notes aiguës, c'est que vous êtes attaqué avec trop force. Mettez plus douceur là-dedans. Surtout que vous même voix grave. Donc, ou ka utiliser voix de tête ou parfois pour les notes qui ont déjà trop aiguës pour vous. OK? Mais après ça, vraiment, et prestation très bien délivrée et jolie tenue également. Donc, moi aussi, je t'encourage avec un 8. Merci Kilenchi pour ta prestation. Je trouve que tu as une belle voix. Je n'ai rien à reprocher à ton talent. Cependant, j'ai quelques commentaires concernant ta prestation. En fait, en plus des remarques qu'on vient de te faire, j'estime que tu étais un petit peu sévère. Donc, la prochaine fois, j'attends de toi un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de souplesse. L'autre remarque concerne la prononciation. En fait, tu prononces très bien ton texte. Cependant, il y a des phrases, en fait, il y a des mots que tu étais obligé de répéter assez rapidement et ça fait que il y a des liaisons que tu as faites et qui n'étaient pas nécessaires, comme dans « mon appris ». Je crois avoir entendu « mon appris ». Et là, il n'y avait pas de liaison. Donc, tu feras attention à ça la prochaine fois. Mais j'encourage cette belle voix, moi également, avec un 8. Merci. Toute première prestation avec 3-8. Nous poursuivons avec Chiliano Ryan Whitlandy B. Lucas. Alors, tu as 4 prénoms. Tu peux les dire pour moi? Lucas Ryan Whitlandy B. Chiliano. Wow, c'est une phrase. On t'appelle comment à la maison? Ryan. Donc, on va prendre Ryan. Parmi ces 4 prénoms, on prend Ryan. Comment vas-tu, Ryan? Je vais bien, grâce à Dieu. Et toi? Je vais très bien, Ryan. Tu es prête à chanter? Oui. Tu sais que pas grand pile garçon dans le concours, Anissa. Hier, nous avons eu un qui t'a chanté un petit compas classe. Où tu es là? Où tu vois, j'aime te chanter? Oui. Et même, je dis à qui soit préparé pour nous? Dans la présence du groupe à la Benza, on chantait que moi j'aimais. Hein? C'est Licheliano, Ryan, B, Whitlandy, Lucas. Pour l'interpréter, on encourage elle avec applaudissement. Nous. L'aime, chitana, présence.
ensemble avec l'autre petit tuyau. Vois moi envie monter rivé sous côté nan moyé. Déjà est puis au passé étoiles yo puis près côté rété c'est là moi envie dormir lever pas gagne puis bon place passé côté moins caché dans présence ou dans présence ou dans présence ou pas gain pi bon côté pour moins caché dans présence ou nan présence ou c'est là moi envie rete net aller nan présence ou nan présence ou pas gen pi bon côté pour moi cacher nan présence ou nan présence ou c'est là moi envie rete net aller. Merci. Dans la présence de Ala Banza, une très belle chantée, et Cheliano souhaite aider nous revivre. Belle chantée ça, de groupe évangélique secteur protestant. Là. Et nous ne pouvons pas dire qu'Ala Banza n'a pas existé encore, mais Ala Banza qui n'est pas surtout active dans le domaine là encore. Mais nous sommes contents de belles chantées ça, que Cheliano lui-même a choisi d'interpréter pour la première prestation. Là. Comment nous jugeons qui s'en pensait de prestation chez Liano Ryan Lucas? Merci Ryan pour ta prestation. Et vraiment pour on voit masculine dans le concours là parce que voix était très claire et belle prononciation de texte. Vraiment des remèdes prestations ou une très belle voix. Et seul bagage moi voulais que Ryan rentre plus dans la salle à chanter. Je voulais gagner plus confiance dans tête tout. Je voulais que ou délivrer message à pi bien parce que ou t'as chanté en musique évangélique dans présence ou donc t'as pas attendre que vraiment que ou t'as vivre sur t'as chanté qui n'a pas vraiment été le cas. Donc qui t'as mais que Ryan chasse cette timidité ça pour lui qu'a beaucoup plus expressif prochaine fois que n'a rencontré avec surtout que Ryan a bien pour l'interpréter en l'autre catégorie de musique. OK, catégorie de chant, excuse-moi. Mais quand même moi t'aimais et tout pour première prestation ça moi-même m'a pas courage avec un 8. Yeah. Merci Ryan et vraiment très belle prestation et on pensait tout que vous avez une très belle voix et qui m'a dit travail quand même mais vraiment nous avec le talent là et que voix là m'a demandé Ryan pour les faire attention à fin phrase yo parce que m'a conti justesse. Et n'en chantez pas gain l'autre secret m'a dit pour tout le monde n'en chantez pas vraiment gain l'autre secret de base qui c'est respiration c'est façon que ou respirer avant attaquer
phrase là qui peut déterminer qui j'en pourrais finir. Ou doit manquer souffle dans fin et ça qu'a fort perdu soit dans volume ou soit dans justesse note. Donc respirez mieux la prochaine fois. Va pas encourager Ryan mais même avec un 775. Merci Ryan parce que vous mettez nos matins en présence bon Dieu. Bon, c'est que c'est un bel chanté que un pile chrétien a vraiment aimé. Et parce que tout prestation là c'est une autre preuve que c'est pas vraiment l'âge qui définit maturité parce que je trouve très sérieux sous scène là. Et vraiment j'ai l'impression que vous êtes un petit monde qui déjà assez droite. Non, en fait, vous doit toujours jouer, etc. Mais je trouve que vous avez réglé un bagage ou réglé. Mais ça, tout ce que vous faites à l'excès, ça veut dire que vous faites exactement ce que vous faites. Si vous ne mettez pas là dans l'anticrasse passion, ça va retirer dans l'extraordinaire ou vous avez supposé délivrer. Donc, je pense que m'attend de vous que ou toujours aussi sérieux mais que tout ou font travail qui pi artistique ça veut dire on mettez plus d'âme dans ça faire même parce que ou gain une belle voix et que ou promettez en pile et moi même tout m'a pas encouragé avec un 775. Merci. Sans plus tarder, nous enchaînons avec la troisième prestation et ce sera avec Rose Michel-Ange Kira Mathieu. Bonjour Samantha. Bonjour Michel-Ange. Oui? Oui. Ça va bien? Oui, et merci pour toi. Je vais très bien Michel-Ange. C'est ta première participation à Soleil d'été. Non. Non? Ta deuxième? Oui. Laisse-moi voir. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est vrai, tu étais là l'année dernière et cette année encore, tu nous reviens, tout feu, tout flamme, pour montrer ton talent. Qu'est-ce que tu comptes chanter aujourd'hui? Je vais chanter Timari de Luc Merville. Timari de Luc Merville, c'est avec chanter ça. Michel-Ange pour aller montrer nos talents. On applaudit. Ti mari pa gen maman, li pa gen papa, yo pran yo fè servi bon, yo pa jam vwe l'école. Et si li passe le bon, y a si men baton sou kol, ti mari ste reste avec, yo di son ti moun ki bête. Bon Dieu gade jon ti moun rek, fè manje lave passe, yo di se pou sa sou te, servi moun al nan mache, se sa selman yo vle l'fè, yo vle l'fè. Ay 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 ay, mais chaque samedi soir, li pran miray kay daso, la kay yon frèl ki boko, la sekwete, la jete de l'eau, la fon ti monte, piwo piwo pou sa pale ak negoyo, la fè jeli koule de l'eau mes amis, ti mari danse samba. Songe le pas garder en bas et c'est l'hypothé la quoi c'est pas li à mettre sous quoi. Gen yon jou ka va rive, ti mari gen pou leve, tout moun a gade kwen moun sou la ten nou tout se yun. Kera di jou va jou vien, pito sa ke malgré sa la vi a ton kon yo yo sa kan bagen pou l'an ou. Mercredi soir, la travay, jeudi soir, la travay, vendredi soir, la travay. Mais chaque samedi soir, li pran miray kay daso, la kay yon frèl ki boko, la sekwete, la jete de l'eau, la l'fon timote, piwo piwo pou sa pale ak
je lui coule de l'eau, mes amis, tu maries danser sans ma. Songe pas garder en bas, et c'est l'hypothé la croix. C'est pas lui, y a vite mette sous quoi, y a pas mette sous quoi. Dis-moi combien ça maman qui pète fait tes amis yo. M'a dit combien ça maman qui mérite vous m'en voyo. Dis-moi pour qui n'a pays d'Haïti tu moun ap mouri pour le drapeau pour la patrie machin du riba yo diri. Mes amis laisse moi ouvrir mais laisse moi m'en serré. M'en koné m'en koné que m'en ta amé kon manje. Dans l'hôpital pato presti moun yo pa ka kriye. L'amitié pig oublié ge un jour ça va changer. Pas besoin parler. Pas besoin crier, car la cap chanter, c'est pour nous tendre. Pas besoin parler, pas besoin crier, car la cap chanter, car la con danser samba. Songez pas garder en bas. Et si vous voulez porter la croix, si vous voulez porter la croix, pour frère Axel, yo, mes amis, yo gen doit mettre sous quoi? Hi, yo gen doit mettre sous quoi? Hi, 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 hi,
Donc tu es une artiste, c'est devant un public où tu es passionnée de ce que tu fais, mais j'aimerais que tu travailles davantage la voix, ok, pour travailler tonalité ou travailler justesse, mélodie, parce que moi j'ai remarqué à plusieurs reprises un petit détonation, donc nous t'aimerais que tu fais attention à ça. Donc si tu peux travailler avec un maestro et la voix davantage. Moi, je t'encourage avec un 7-25. Merci. En quatrième position, j'annonce Brianna Michel. Bonjour Brianna, moi j'aime toujours croiser Brianna le matin quand j'arrive. Elle sourit toujours et elle me donne un bisou. Je ne sais pas si c'est parce que tu es sur la scène là, tu ne m'embrasses pas. Tu ne voudrais pas m'embrasser là maintenant? Oui. Oui, et? Voilà, c'est comme ça on se salue chaque matin. Brianna, bienvenue, première prestation pour toi. Tu clignes des yeux, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Rien? Tu es prête pour chanter? Oui. Qu'est-ce que tu vas chanter? Maman. Qu'est-ce que tu chantes? Maman. Maman, c'est ce que tu vas chanter? Ben, il faut commencer par parler fort dans ton micro, parce que c'est sûr que maman est là, derrière son petit écran. Elle est toute fière, elle regarde sa belle Brianna qui va chanter Maman. Merci d'applaudir Brianna très fort. Maintenant, on a qu'à ça. Faut encourager. Parce que l'esprit est toujours là, il y a aussi des. Je ne vais pas comme maman pour supporter. Parce que l'esprit est toujours là, il y a aussi des. Répétez, répétez. Love you, love you, love you, love you, maman. I love you, mama. Tout ça vous fait pour moi. Répétez, répétez. Love you, love you, love you, love you, mama. I love you, mama. Tout ça vous fait pour moi. Love, oh mama, oh mama. I love, oh mama, oh mama, cause I'm dying. Love, oh mama, oh mama, merci. Bon, on comprend que Brianna a beaucoup d'amour pour sa maman. Il y a plein d'amour dans nos cœurs pour nos mamans. Et disons de chanter Maman. Comment est-ce que nous jugeons? Qui s'en pense? Qui conseille nous pour Brianna pour la prochaine prestation? Merci Brianna. Moi, félicite parce que vous encourage à demain à monter sur scène là, pour chanter pour maman, pour dire qui j'en remène et ça m'a vraiment félicité. Je m'a toujours encouragé, surtout les mois que nous très timides comme ça, c'est, ça m'a dit un pile effort pour nous quand même monter sur scène là, et pour nous chanter. So, la prochaine fois, je vais ouais, Brianna qui est beaucoup plus cool, plus relax parce que je suppose que. Ou quand tu as un pile de amis dans le soleil d'été. Donc, c'est ces amis qui avancent, c'est Simone même j'avoue, capable d'étendre, puis relaxer avec eux. Je vous encourage avec 6-25. Merci. Merci Brianna. Parce que maman est très contente de faire que je dis au Vini et au choisi chanter. C'est pour ta maman que tu as chanté. Oui. Voilà.
Mais ce bagage m'a été remarqué que Brianna était trop vague dans chanter. Tu aurais dû mettre plus de douceur, plus de conviction. Brianna était trop vague, donc ma main doit prendre plus au sérieux. Parce que n'oublie pas que c'est un concours de chant. Donc, il y a un challenge qu'il faut garder. Donc, même si on s'amuse, mais il faut toujours se mettre en tête que c'est un concours de chant. Donc, fais attention, travaille la voix davantage et articule mieux. Et puis, l'on monte sous scène, il faut qu'on montre que où sont artiste, ok? Que tu es venu vraiment prouver que tu as un talent, toi aussi. Mais pour cette prestation, moi, je t'encourage avec un 6-5-4. Merci. Compliment, Brianna, pour avoir délivré ce très beau message, parce que on ne va pas attendre que le mois de mai pour célébrer les mamans, parce que les mamans, elles sont là quotidiennement, elles sont toujours là pour nous. Donc, du coup, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois pour rendre hommage à nos mamans. Cependant, Brianna, j'imagine que ta mère, c'est l'une des personnes que tu aimes le plus au monde, non? Oui. Certainement. Donc, tu aimes beaucoup ta maman. Tu aurais dû délivrer une prestation à la hauteur de ton amour pour ta maman. Et ça, ce n'était pas du tout le cas. Tu étais plutôt calme sur la scène. Donc, je vois que tu es déjà une grande fille. Donc, j'attends que la prochaine fois, tu te comportes comme la grande fille que tu es et que tu chantes non seulement un autre type de chanson, mais que tu apportes beaucoup plus de chaleur. Je t'encourage moi également avec un 6-5-4. Merci. Viens pour nous le moment d'observer notre deuxième pause à l'émission Amis téléspectateurs. Retrouvez-nous tout de suite après. À tout à l'heure. Restez fidèles à votre soleil, amis téléspectateurs. C'était une courte pause, le temps pour nous de nous rafraîchir. Et là, on est de retour. Nous poursuivons les prestations d'aujourd'hui. J'annonce pour la cinquième, Venise Morose. Welcome back, Venise. Thank you. Venise, deuxième participation pour vous. Moi-même, content, ouais, parce que de suivre tout parcours l'année passée, c'est vrai que j'ai deux fois battu là. Même qu'on est Venise, tu as un bel parcours. Venise, c'est un talent sûr. Et malheureusement, tu as quelques petits bagages qui t'est arrivé Venise dans le concours là, qui t'est fait un peu. T'es mal passé. Et Venise, pas de permis, 5 gagnants. Mais allez, ça, Venise, ou Vini, pour prendre une place.
Pièce dans place ou après premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je ne sais pas. Je ne sais. Ah, Venise, Venise, vous avez fait même bagarre là, mais ça parce que je ne comprends pas. Venise, tu as 12 ans cette année, donc c'est sûr que l'année prochaine, vous ne pouvez pas venir encore. Donc c'est année décisive, là. Vous connaissez si oui, ou prendre une place. Est-ce qu'on peut mettre moi prendre une place? Oui. Oui. Venise, qui s'en va chanter jeudi? Combien moins de Annick Pierre? Est-ce que tu chantes? Combien moins doué de Annick Pierre? Combien moins doué de Annick Pierre, c'est ça? Oui. Merci, applaudis Venise qui pourra chanter combien moins doué. Les Jésus mourit sous calvaire. Les Christ mourit, c'était pour moi. Moi, mon Dieu, est-ce qu'il m'a connu? Combien moins doué, 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 l'amour sans fin. Combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, caprice pour moi. Moi connais ça, li fait pour moi. Moi pas qu'à dire combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin. Souvent moins non, juste mani. T'y passe plus agonie. C'est pour moi souffre ça t'aille. Comment pour me dire combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin. Combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, car Christ pour moi, moi connais ça, li fait pour moi, moi pas qu'à dire combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin. Combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin. Combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, car Christ pour moi, moi connais ça, li fait pour moi, moi pas qu'à dire combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin. Combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin. Combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, car Christ pour moi, moi connais ça, li fait pour moi, moi pas qu'à dire combien moins doué, combien moins doué, l'amour. Combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin. Combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, car Christ pour moi, moi connais ça, li fait pour moi, moi pas qu'à dire combien moins doué. Combien moins doué, l'amour sans fin. Combien moins doué, l'amour sans fin. Combien moins doué, l'amour sans fin. Merci. Combien moins doué, c'est ça, Venise Moros, tu as interprété pour première prestation là. Bah fais trois commentaires, ma quitte place là pour juge, dis-nous qui ça y a pensé.
Merci Venise et welcome back. Et ça fait nous plaisir que vous tournez encore en ça et moi ouais que vous t'as le travail voir voir moi ouais les plus mûrs et les grands plus les grands pile puissance la donne vous dégagez en pile énergie je matin hein, que nous aimons seul bagage moi travail jusqu'à présent ma bon petit pression pour expression faciale yo que ou pas vraiment accentué sous yo et c'est très important lors d'une prestation. OK, travail les expressions faciales et m'a mando Jérémy Kotou parce que ou gon voix assez puissante. Donc l'on apprend note aiguë surtout refrain donc éloigner légèrement et ou pas besoin mettre toute force ça. Ajoute un petit souplesse dans voix tout pour laisser ça ou t'a embellir plus. Mais vraiment et Venise ou gon belle prestation. Bon, talent déjà confirmé. Et nous t'ai ça depuis année dernière, c'est juste que année ça on a bon petit pression pour ca perfectionner. OK? Et moi je t'encourage avec un 8-25. Merci. Merci Venise et bon retour au concours. Et je te souhaite vraiment un bon parcours. Vraiment, c'est même moment qu'avec Dana que moi gagne, et surtout concernant et gestion micro qui était un peu trop près d'après moi-même. Et puis m'a persisté surtout malgré et musique ça était en pile énergie, en pile puissance, mais ajouter quand même un peu de souplesse dans l'attaque en notio et penser que la compi belle effet. Et vraiment, je sais que tu as de l'expérience et on attend beaucoup de toi. Je t'encourage avec un 8-25. Merci. Merci, merci Venise et vraiment bon retour. Je suis très contente de te retrouver cette année et également très fière de tout ce progrès que j'ai pu constater. C'est vraiment une autre Venise cette année et je trouve que tu as délivré une très belle prestation. Tu as une belle voix, une voix unique. Pensez que le jour où nous compte de qui qualité voguer on a vraiment fait un malheur avec, mais cette chanson-là que tu viens d'interpréter, c'est un hommage à la rédemption. Donc, la rage là que tu as mise, c'était nécessaire. Cependant, je vais rejoindre Rico pour te demander d'être un petit peu plus souple, un petit peu moins sévère. Mais vraiment, compliment pour ta prestation. Je t'encourage, moi également, avec un 8-25. Merci. J'annonce à présent Richard Noël pour sa prestation. Ah, bah aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des garçons. Richard, comment vas-tu? Je vais bien pour toi, Samantha. Je vais très bien. Et Richard, où tu es, tout le monde qui passe avant, il a chanté et qui sont pensé, il a bien chanté. Oui. Il a bien placé dans le concours. Oui. Et vous-même, est-ce que vous sentez une place dans le concours à Alissa? Oui. Oui, qui soit pas chanter Richard? Je ne peux pas vivre sans lui. Je ne peux pas vivre avec elle, je ne peux pas vivre sans lui. C'est ça, Richard, pour chanter. Hein? Ah, voilà. Bon, Richard, ouais, vous êtes un grand public, mais Richard, je ne peux pas comprendre. Vous avez fui, regarde moi. Hein? Vous ne pas regarder, faut commencer par regarder. Vous pouvez chanter là, faut regarder le public là, parce que vous êtes un public là avant. Depuis Jean ont annoncé chanter ça, donc ils attendent un pile bagage de Richard. Donc on va pas chanter avec tête ou à terre comme ça, Richard. Hein? Faut mettre les garçons sous vous. Garçons, ils pas en pile dans le concours, Richard. Donc on attend un pile de vous. Pas qu'à vivre avec elle, pas qu'à vivre sans lit de Wendy et Chichi. Donc ouais, c'est ça. Richard va chanter, on applaudit. Ah.
Lise tout sa m'raye, lise tout sa m'bafle, bah ouais la vie m'sans li, pourtant c'est tout sa m'bafle, moi pas qu'à vivre avec, pourtant m'bac à vivre sans. Pas qu'à vivre avec, pourtant pas qu'à vivre sans lui. Lisse tout ça m'raille, fais-moi tout ça m'bavle, bah ouais la vie m'sans lui, pourtant c'est tout ça m'bavle, moi pas qu'à vivre avec. Pourtant pas qu'à vivre sans lui, moi pas qu'à vivre avec, pourtant pas qu'à vivre sans lui. Nous allons continuer. Allez, vas-y, vas-y, Richcode, vas-y. On encourage Richcode. Allez, Richcode, go Richcode. Lisse tout ça m'raye, fais-moi tout ça m'bavle, bah ouais la vie m'sans lui, pourtant c'est tout ça m'bavle, moi pas qu'à vivre avec. Pourtant pas qu'à vivre sans lui, moi pas qu'à vivre avec. Pourtant pas qu'à vivre sans lui. Tout ça me raille, mais son médicament lié pour moi, il fait ma dilité, fait que me palpiter, fait me décider aller bac à quitter. Naïf, bac à couteau. Naïf, il fait ma dilité, fait que me palpiter, il fait ma bonne. Chaque fois me décider. Qu'à quitter, lisse tout ça m'raille, fais-moi tout ça m'bavle, bah ouais la vie m'sali, moi pas qu'à vivre, pourtant m'bac qu'à vivre, pourtant m'bac qu'à vivre sali, pourtant m'bac qu'à vivre. Merci. Définitive, hein? Moi, je ne peux pas vivre sans Richcode dans le concours. Richcode qui t'a choisi interpréter pour première prestation. Là, moi, je ne peux pas vivre avec elle, moi, je ne peux pas vivre sans lui. Belle musique, ça a mené de Wendy et Chichi. Et Richcode, ça me met en pile l'animation. Comment est-ce nous jugeons? Qui ça nous pense? Comment t'es trouvé Richcode dans l'interprétation? Merci un pile Richcode, parce que on met en pile l'animation sur le plateau aujourd'hui. Et ou déjà gomba qui juste iné la kayo ou capable animer malgré côté qu'on ti trac au début mais ou ka animer et on pense au gâcheter n'importe qui festival mais ça m'a dit tout pour travailler en pile pour travailler voir en pile tout et ou gonjan ou tellement sûr de ou qui te micro qui te public la chanter zo. Si m'a partagé en note là, c'est entre même et public là parce que nous vraiment nous font un travail 10 sur 10. Mais si m'a bon note et m'a pensé que note ça doit craser vous mais surtout pour conscient pour le travail plus. OK? Pour aujourd'hui ça pour 6. Moi dis Richcode merci en pile parce que l'hypothé en pile gaieté dans la matin hein. Donc je pense que en termes d'animation ça a été
une belle prestation et puis je trouve que tu es déjà assez populaire auprès du public qui s'est arrangé. Hein. Donc cette prestation-là, c'était en complicité avec le public. Il s'est arrangé pour délivrer la prestation avec toi et c'est certainement parce que tu as choisi une chanson tendance, c'est-à-dire on chantait que tout le monde a parlé de lui. Au départ, j'avais peur pour toi parce que je voyais que tu ou même tu as réalisé un double travail, et travail Wendy avec travail Chichi, mais finalement, tu t'en es pris qu'à Chichi, donc tu as ou choisi partie dans la musique là où tu es à l'aise avec elle. Et pour te interpréter, donc c'était un choix assez intelligent. Mais m'a rappelé Richard que c'est un concours de chant. Donc dans d'autres situations, il n'y a pas un public qui prend le complice. Il n'y a pas un choix pour choisir un parti dans la musique. Donc il y a un pile détail pour Richard gérer. Toujours m'a encouragé prestation Richard Matéen avec 1675. Merci Richard. Et effectivement, j'aime ta bouger sous ses noms, pas de timidité la caillou. Je pense que c'est oublier le texte. Là. Ou pas vraiment prendre temps pour apprendre le texte là, pour qu'il bien délivrer matin. Mais façon ta bouger sous ses noms, il n'y a pas de doute là-dessus. Richard n'est pas timide et il a déjà l'attitude scénique. Donc, seul bagay la prochaine fois, prends temps pour pi bien connaître le texte là. Et puis tout, et j'aimerais que nous pi bien t'entendre voir en prochaine fois parce que là vraiment c'était le public qui chantait. Je n'ai pas eu la chance d'avoir l'occasion de bien t'écouter. Donc pour ça, j'espère prendre en considération tout ça. L'union fait ce doux parce que c'est très important, il faut toujours se mettre en tête qu'on est dans un concours de chant. OK? Donc pour ça, moi-même, ma courage au tout avec un 1625. Nous poursuivons avec Will Gayela, Sibylle Odiger. Bonjour Samantha. Bienvenue Odiger. Welcome back. Yeah. Odige, tu étais là l'année dernière et cette année encore tu es là. Oui. Pour te faire une place parmi les cinq, oui? Oui. Qu'est-ce que tu comptes chanter aujourd'hui? Si j'étais un papillon. Et si tu étais un papillon, qu'est-ce que tu ferais? Je volerais. Tu? Volerais. Pour aller où? Jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel et voir qui? Jésus. Qui? Jésus. Jésus? Tu voudrais voir Jésus? Oui. Tu aimes Jésus? Oui. Et pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il est grand. Parce qu'il est grand. Et si j'étais un papillon, moi, je ferais tout comme Odiger, je m'envolerais et j'irai voir... Oui, Jésus. Jésus, mon frère. Merci de l'applaudir très fort. Elle va chanter « Si j'étais un papillon ». Et si j'étais un papillon, avec mes ailes je louais ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire au Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je flottillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Et si j'étais un éléphant, ma trompe délirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Et si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi jolie.
mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Et si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un ourson poilu, je dirais merci pour mon ventre poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. 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 Merci. Merci à Wilga et la Sibylle Odiger qui vient d'interpréter pour sa première prestation « Si j'étais un papillon ». Elle n'est pas un papillon, elle est une jolie petite fille et elle dit merci au Seigneur parce qu'il l'a fait, elle, et telle qu'elle est. Vos commentaires, les juges. Merci, merci Sibylle pour cette belle prestation. Félicitations parce que je trouve que c'est le résultat d'un travail assez appliqué. Genre, ça se voit clairement que tu t'es préparé, tu connais ton texte, tu as fait des gestes. Bon, voilà. Bon, à part que je te trouvais quand même un petit peu timide, genre, tu es resté un peu dans la peau de la petite Sibylle qui était là l'année dernière. Donc, on attend que tu grandisses, que tu deviennes plus mature. Mais en attendant, j'encourage Sibylle avec un 7. Merci. Merci Sibylle et très jolie prestation. Moi également, j'attends comme Ludnir que la chenille devient papillon. Et cette chanson était bourrée d'animation. Je pense que avec beaucoup plus de chaleur, et si tu invitais les autres enfants et de faire les mouvements avec toi ou de chanter avec toi, ça aurait beaucoup plus de charme. Donc, sois moins timide, moins calme et venir avec beaucoup plus de chaleur la prochaine fois. Je t'encourage, moi également, avec un 7. Merci. Merci, Sibylle. Et très jolie prestation. Tu es très, très, très calme, très innocente sur la scène. C'était également un beau texte. Merci d'avoir choisi ce texte. Et seulement pour la prochaine catégorie, alors prochaine étape, on attend Sibylle avec impatience dans un autre morceau, dans une autre catégorie de chant. Et pour aujourd'hui, Sibylle, c'était bien, seulement on aimerait qu'il y ait plus d'expression dans ce que tu fais, ok? Oui. T'encourage également avec un 7. Merci. Et celle aujourd'hui qui a l'honneur de clore les prestations répond au nom de Maecha Shaini Louis. Bonjour Samantha. Elle a choisi de ce côté. Bonjour Maecha, comment vas-tu? Ça va très bien pour vous? Je vais très bien, ça se voit sur ton visage que tu es toute contente et tu étais certainement impatiente de monter sur scène et pour nous montrer ton talent, oui? Oui. Qu'est-ce que tu coaches chanter? Ta valeur d'André Joël. Ta valeur, c'est ce que Maecha va nous interpréter, elle qui aura à clore les prestations. On l'applaudit. Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur.
L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi, ce qui fait de toi une personne de valeur. N'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi, ce qui fait de toi une personne de valeur. N'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. Ça va bien? Si ça va bien, on fait du bruit. Tout le monde comme ça, comme ça, comme ça. Bon, c'est où mes fesses, faut qui reflète un imagine du Seigneur. C'est forcé où mes J'ai eu bastante de se connaissent le seu valor. Você é precioso, mas talo que ouro por o teu fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Tu és um miroir que reflete l'image do Senhor. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. Merci. Tu es belle, tu es inestimable et même si on ne remarque pas ta valeur, c'est à toi de le faire. Un très beau message que Mayecha Louis vient de délivrer. Le juge, qu'en pensez-vous? Merci. C'était une très belle prestation et vraiment, je remarque qu'il y a beaucoup de techniques et aussi que tu t'es préparé, on pas venu juste pour chanter, on t'es préparé tout pour t'animer public là. Malgré ce manque que tu as gagné dans la partie espagnole là, même trouver que Oassé est bien délivré. Mais Mando, surtout pour faire attention à tonalité, hein, parce que vivant côté, notre qui t'es plus royal, on te sent que t'es forcé trop là-dedans. Donc, si t'es baissé au moins d'un ton ou bien d'un demi-ton, tu pourrais être plus à l'aise parce que tu chantes déjà et dans ce registre-là, un registre qui roule. Donc,
moi c'est que au TK mieux délivré avec un ton plus bas ou en demi-ton. Et ça m'a demandé tout la partie côté que pas gain notre autre yo, c'est notre qui dans mi-temps yo ou une tendance qui te bouche entre fermé. Donc articulation mal faite. Donc li mandé pour ouvrir bouche ou plus pour moi yo sorti avec plus de clarté pour nous-mêmes. Donc à comprendre et tendre ça va dire. Je t'encourage avec un 8. Merci Shiny pour ta prestation et tu as une très belle voix, une voix très douce. Mais je rejoins Rico dans son commentaire. Effectivement, et tu aurais dû baisser la tonalité au moins d'un ton, parce que tu as vraiment forcé et c'est pas recommandé de forcer sa voix comme ça. Tu peux la perdre et tu vois, tu peux avoir tout autre. Dommage et séquelles par rapport à ça. Et je te demanderai également d'arrêter de bouger comme ça quand tu chantes. Ça montre que tu es stressé. Tu vois? Donc, à force de bouger comme ça, les gestes devenaient monotones et ça n'allait pas avec ce que tu chantais. Donc, pour cet exercice, il faut le faire devant un miroir, préparer sa prestation devant un miroir afin de ne pas répéter des gestes, de ne pas être monotone sur scène. Mais après, tu as une très belle voix et également, il faut faire attention avec l'articulation de quelques mots. OK? Mais très belle voix, continue ainsi. Je t'encourage également avec un 8. Merci Shiny pour cette belle prestation. Je trouve moi également que tu as une très très très, mais vraiment très belle voix. Cependant, je vais rejoindre Diana et Rico pour la prononciation, parce que c'est vrai que tu dois ouvrir un petit peu plus grand la bouche pour que les mots sortent de façon plus claire. Et aussi, il ne faut plus jamais courir le risque de chanter dans une langue étrangère sans que tu ne sois sûr de ce que tu dis. Donc, il n'est pas nécessaire de maîtriser la langue elle-même, mais il faut au moins que tu maîtrises ce que tu vas dire, parce que la chanson, elle lance un message. Donc, nous autres qui écoutons, nous voulons entendre ce qui est dit. Non seulement entendre ce qui est dit, mais ça doit être très bien dit. Donc, je pense que ça peut faire vraiment défaut à ton talent si tu continues à courir le risque de ne pas bien maîtriser ce que tu vas dire. Mais je crois vraiment que tu as une voix superbe, que j'encourage moi également avec un 8. Merci. Et voilà, nous sommes censés arriver à terme de notre voyage. On se donne rendez-vous après la pause pour la troisième partie. Revenez-nous tout de suite après. Vous allez voyager à bord d'un avion 26. Je vous souhaite déjà bon voyage. Bon voyage. Quand nous dit jet en l'air, quand nous avions en l'air, quand nous dit jet en l'air, quand nous avions en l'air. On a les tout-tout, oui, Nathalie, Nathalie,
nous pral propose, 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 nous pral propose.